Et salut à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour Tomb Raider 2 sur PlayStation 5, la version remaster, où nous allons faire le New Game Plus. Et oui, on l'avait déjà fait du coup pour Tomb Raider 1 il y a quelques jours de ça, on a fait une petite pause. On a pris une vidéo par semaine. Finalement, j'ai réussi à tenir une vidéo par semaine. Je suis assez content d'avoir réussi à faire une vidéo par semaine. Et je vais essayer peut-être de faire pareil pour Tomb Raider 2. On va voir comment ça se passe. Pour moi, pour la découpe des niveaux. Donc c'est parti. New Game Plus. On va faire comme Tomb Raider. Comme Tomb Raider 1. Alors, le New Game Plus a une spécificité dans TR2, c'est que nous sommes obligés de récupérer les 3 secrets pour avoir des objets de soins. Je connais globalement le jeu, donc normalement ça devrait être bon. Et de toute façon, il n'y a pas de limite de save dans TR2. Et en New Game Plus, ça devrait pas être. Ça devrait pas être différent. Dans TR3, il y a des crises au save qui reviennent avec un soin par save. Comme TR1 finalement. Seulement en TR3, il va falloir être un peu plus. Il va falloir être assez intelligent sur les sauvegardes. Pas en faire du tout, quasiment sur les premiers niveaux. Les niveaux que je maîtrise, faudrait vraiment pas que j'en fasse du tout. Bon, là on est sur TR2, on a quelques vidéos à faire dessus, ça va prendre du temps. C'était 8 vidéos TR1. Donc TR2, je pense que ça prendra peut-être. Peut-être 8 vidéos aussi, 8-9. Il y a à peu près une heure par vidéo. Alors le temps du jeu c'était 5 heures et quelques. On est plutôt sur 8 heures de jeu parce que j'ai quasiment joué une heure à chaque fois. Hein. J'ai quasiment pas traîné dans les menus. Alors après il y avait des passages que j'ai recommencés, pardon. Donc on va voir. On va voir si mon chat va venir. Aujourd'hui, il a fait une vidéo de terrain, c'était spécial. Mais bon, qui sait. J'aurais peut-être. On aura peut-être le même cinéma. Je lui dis, je coupe rien. À part si vraiment j'ai un problème de capture ou quoi que ce soit. Ou, voilà, ou si le jeu plante. Mais globalement, je coupe. Je ne coupe rien. Donc la cinématique. Ah oui, alors ça je vous ai pas montré, mais sur Start, alors ça passe les cinématiques en pixelisé. Alors pourquoi n'ont-ils pas passé les cinématiques en 4 tiers? Allez, là c'est la version de base et là c'est la version remaster. Bon. C'est pixelisé aussi, hein, la version remaster. Hein. Eh oui, on a du contexte. Lara se rend en Chine, sur la Grande Muraille, pour trouver cet artefact, tout simplement. Alors, TR2, c'était un jeu qui était quand même. Déjà, c'est pas mal joli ici. Ouais, pas mal joli. Alors, j'ai un petit souci, encore une fois, avec le joystick. J'arrive pas à le résoudre. Donc, j'espère que ça va pas être trop problématique. On va voir comment ça se passe. Alors, je vais pas chercher à buter tous les ennemis, c'est tous des 5 APV. Je redescends pas ici, donc ça sert à rien. Là, c'est joli ici, regardez. Ils ont rajouté quelques petites plantes. Hein. Il y a des textures de. Il y avait des textures de plantes de base, mais. Mais c'est plutôt cool qu'ils aient rajouté. Qu'ils aient fait comme ça. C'est. Comment dire. En fait, je pense que j'ai joué avec les flèches, ça sera plus simple. C'était. Vous allez voir, le jeu qui était le mieux retravaillé en version remaster, c'est vraiment TR3, à mon sens. Enfin, j'ai beaucoup aimé TR3, il y a beaucoup de zones dans TR3 qui sont sympas. Ah oui, quand on monte, hein, on a effectivement le deuxième. Même là, c'est sympa. Regardez. Donc, le fond a bien été changé, et en plus, on a un peu plus de végétation. Ouais, non, franchement, bon, encore là, ça va. Là, il y a un travail de fait. Mais c'est vrai que ça va plus marquer sur.
Ça va plus marquer sur Tomb Raider 3. Ouais. On va de temps en temps s'arrêter comme sur TR1. Hein. Si j'ai quelques plans à vous montrer la différence entre l'origine et le remaster, on le fait. C'est vraiment, voilà. Le fait qu'ils aient tout mis sur la touche Start, c'est vraiment sûr. Voilà. C'est vraiment génial. Vraiment, cette option, c'est. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Ouais, non, mais c'est. Ouais, non, c'est plutôt. Voilà. C'est plutôt joli. Alors, je le refais une deuxième fois, du coup, la version remaster de TR2. Puisque je l'ai déjà fait. Ah, il y en a encore. Ah, il y en a. Il y en a encore deux, d'ailleurs. Attendez, je suis en New Game Plus là? Oui, je suis en New Game Plus, ok. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder? Oui, on peut sauvegarder quand on veut. D'accord. Donc là, il n'y a pas de. Il n'y a vraiment pas de différence. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le saut. Ouais, on va faire le saut. Oula, oula, oula. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Je commence. Je suis mince. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Alors, ils ont vraiment remis droit toutes les clés. Hein. Autant mieux parce que c'était pas lisible. Avant le patch, il y avait quelques. Ouais, oh là là. Oh là. Ah bah oui, que je suis con. J'ai pas dit. Mais c'est formidable. Je me suis fait éliminer dès le premier combat. Ah mais c'est génial. J'aurais dû sauvegarder peut-être. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Écoutez, là maintenant je sais que les tics ils font très mal. Parce que j'ai jamais lancé le jeu en hard, donc je sais pas ce que ça donne. TR1, j'avais déjà démarré le premier niveau. Pour moi, j'avais déjà fait. Voilà, j'étais déjà allé jusqu'à Cité Vilcabamba, donc. Je savais ce que ça donnait, mais là, TR2, j'ai jamais lancé. Donc, il y a peut-être des choses que j'ignore, il y a peut-être des règles. C'est dommage parce que il y a rien à expliquer. Ça manque quand même pour un remaster, ça manque quand même cruellement de contenu bonus, je trouve. J'en parlais peut-être, je sais plus si j'en parlais dans TR1, mais moi j'aurais aimé qu'ils mettent des artworks, des bonus, par exemple. Final Fantasy sur la Pixel Remaster, il y a des. Bon, il y a quelques bonus, c'est pas fou. Hein. Disons que le plus important, c'est de jouer au jeu en HD, mais. Voilà, il y a des artworks, on a la bande-son, voilà. On a quelques petits trucs là, il n'y a rien. Il y a uniquement les jeux, le Game Plus, il n'y a pas d'explication sur le Game Plus. Moi, j'aurais aimé voilà, qu'on mette des artworks. On va mettre des commentaires des développeurs, voilà, des trucs intéressants. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, c'est vraiment dommage. Parce que là, visiblement, on comprend pas trop les règles. Hein. Alors, on sait qu'on a toujours les save auto. D'ailleurs, je vais faire une première save. Alors, on va remonter tout là-haut. Hein. Voilà. C'est vraiment ma première save, là, tiens. Là où j'ai commencé. Mais est-ce que du coup ça. Ouais, ça reprend sur le nom de save. Enfin, c'est. Ah, ben j'ai fait des tests, hein. J'ai regardé des trucs, j'ai recommencé des trucs. Non, non, je suis allé. Disons que voilà, j'ai testé des trucs, on va dire ça. Bon. Le fait qu'on ait les saves illimités comme dans le jeu de base, ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant parce que Tomb Raider est un jeu vraiment compliqué. Il y a des phases de combat assez tendues. Donc ouais, ça peut être intéressant d'avoir ce système de save hein, illimité, ça va m'aider, je pense. Ça va m'aider. Je vais sauvegarder souvent. Voilà. Je pense que je vais sauvegarder souvent parce que je vois la difficulté.
je vois les points de vie des ennemis. Alors, j'ai pas l'impression que les ennemis aient plus de points de vie que ça. Ils sont pas plus résistants. C'est pas Tomb Raider 1. Non, ils sont pas plus résistants. Là, ils ont corrigé ça. Dans la version de base, les textures. Quand on avait une échelle, donc on a une texture d'échelle et une autre texture en fait par l'arrière, la texture avait tendance à. En fait, la texture bougeait aussi derrière, ça c'était très bizarre. Il y avait un effet très étrange. Parce qu'en fait, j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Là, je viens de comprendre. Ils ont rajouté, comment dire, de la matière sur l'échelle pour qu'il y ait une espèce de. Vous voyez, pour qu'on ait l'impression que l'échelle soit en 3D. Alors qu'en fait, c'est toujours sur la même texture et j'ai quand même l'impression que. Comment dire. On a l'impression qu'il y a un creux sur la texture. Ouais, c'est très bizarre. Parce que ça dépend comment on regarde le machin, c'est un peu étrange. Ouais, il y a un creux dans la texture et. Ah, ils ont. Oh non, j'ai enlevé les étoiles derrière, mais non. Ouais, bon, ils ont fait des trucs un peu spéciaux, ok. Mais au moins, ils l'ont corrigé. C'est déjà ça, parce que c'était vraiment n'importe quoi dans le jeu de base TR2 et TR3. C'était très dérangeant. C'était très très dérangeant. Je supporte pas ce genre de bug, donc quand je vois ça, ça me fout vraiment des angoisses. Allez, on va grimper ici, on joue safe. Hein. Cette petite salle ici, il n'y avait pas d'entrée de lumière, là c'est le cas. Parce qu'il fallait bosser tous ces effets de lumière. Hein. Là, c'est bizarre d'ailleurs, là c'est tout noir. Peut-être qu'avec une torche on voit, mais. Mais c'est vrai que le plus important c'était aussi de rebosser tous ces effets de lumière en fait, tous ces puits de lumière qui étaient complètement loupés en fait. Enfin qui étaient. Waouh! Ah oui d'accord, ok, c'est un one shot. Oh. Ah ouais, c'est un one shot. Ah oui d'accord, ok. Oh là là, oh, ok, d'accord, oui, donc ça va être. Oui, ah, ok, donc il y a deux. Comment dire? Je sais même pas si je vais peut-être même pas charger en fait là. Non, je vais charger. Je vais charger parce que j'ai besoin de ma vie en fait. Il faut que. Oh, je me suis fait one. Oula, ça va être un peu plus dur finalement le New Game Plus là. Je partais confiant. Je le suis plus. Putain, c'est horrible. Non, mais c'est pas possible ça. Attends, j'ai réussi. Ah oui, on a le fond rouge que en mode. Voilà, je voulais le fusil à pompe. J'ai pas réussi à le prendre. Putain de merde, c'était. En plus, je me suis pris le piège. Je suis vraiment en plus juste avant ma save. Okay, alors les ennemis n'ont pas plus de vie, par contre, ils font très mal. Et visiblement, les pièges ont tendance à me détruire. Du premier coup. Alors, je sais pas s'il y a une espèce de. Comment dire, si. Parce que là, je me suis pris la lame dès la sortie du piège, si ça m'a tué à cause de ça. Je pense pas. Mais là, faut pas que j'oublie en fait que. Cette partie du New Game Plus, je suis obligé de quasiment de me la faire en nomades en fait. Je vais pas me soigner, je vais pouvoir récupérer des objets de soins, mais le nomades en New Game Plus, je n'attends pas. Je le ferai en partie normale, mais le nomades en New Game Plus, je tente même pas en fait.
Et s'il y a des dégâts de chute, j'ose même pas imaginer ce que ça va être sur le niveau du pont, c'est ça? Oui. Au niveau du pont, obligé de perdre de la vie. Ouais, ça va être quelque chose. Vous vous rendez compte, on n'a même pas réussi à finir notre premier niveau pour l'instant. Alors ça va. Je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire. Bon, en tout cas, j'aime bien. Il y a du challenge. Il y a du challenge. Il va y avoir des vidéos. Il va y avoir du contenu hein, pour cette. Comment dire, oui, pour tout l'été, hein, parce que je pense que ça va être le jeu de l'été sur la chaîne. Et j'ai un autre jeu que j'ai envie de faire sur la chaîne, un autre jeu PS5 que je vais vous proposer d'ailleurs, que je ferai pas en mode hard, machin, parce que voilà. J'en dis pas plus, ça arrivera peut-être pas après Tomb Raider, ça arrivera quand même bien plus tard, peut-être en fin d'année. Ou l'année prochaine, je vais voir comment ça se découpille. Pour l'instant, on est à peine à Tomb Raider 2, donc ça va prendre encore du temps. C'est vrai qu'il est... Il est violent ce piège, hein, avec du recul. Oui, non, là, on va s'éviter. C'est dommage qu'il n'y ait pas un raccourci pour les saves aussi sur. Sur PS5, pardon, excusez-moi. Bon, en vrai, là, je vais peut-être laisser tomber ce piège. Waouh, c'est un one shot. Oh. Ça one shot direct. Aussi d'une violence. Ah bah non, bah non quoi, certainement pas, non. Certainement pas. Je vais pas prendre l'objet. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques. J'ai pas. Je vais mettre 150 ans à essayer de trouver la bonne stratégie pour pas perdre de la vie, donc c'est pas grave. Non mais oh là là, cette caméra. Bon, il faut que je récupère le secret. Ça c'est pas négociable. Vite vite vite, c'est bon. Ah bah le secret avec le T-Rex. Bah non mais il a pas plus de bulles T-Rex. Donc ça va. Bon, on a zappé des munitions de. On a zappé des munitions de. Ah, je vais trop vite là. Je vais trop vite. Ce qui était pas c'est. Voilà, c'est moi. Je n'ai pas sauvegardé dans une mort, hein, rassurez-vous. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est un peu c'est plus beau. Mais en même temps, il y a les araignées. Pourquoi il n'y a pas de toile d'araignée? Ça n'a pas de sens. Mais voilà, bah c'est corrigé. Alors, on pourrait finir le niveau comme les lâches que nous ne sommes pas. Non, non, on va aller faire ça correctement. Ah non, c'est pas la bonne texture. Bon. Eh ben les gars, ce début de Tomb Raider 2, c'est quelque chose. Et pourtant, je suis en forme, hein, je vous le dis. Hein. Je suis pas en dilettante, je suis pas en mode dégoûté. Non, non, je suis vraiment en mode sérieux. Hein. Je suis extrêmement motivé, mais alors là, je. C'est où? C'est là qu'il faut aller? Et oui, c'est là. N'importe quoi. Moi. Pour ceux qui se posent la question, j'en ai peut-être parlé dans l'esprit de Tomb Raider, mais on n'est pas obligé de garder la touche action en mode moderne. Permet de ne pas avoir la pression de relâcher une touche. Oh, attendez. Voilà. On y va doucement, hein.
Donc là, on va aller récupérer le troisième et dernier secret. Disons que j'y vais surtout pour récupérer les objets de soins. Parce qu'apparemment, il y a des soins. C'est pas qu'apparemment, c'est qu'il y a des soins. Ça fait du bien cette torche-là. Alors sur ma télé, quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de lumière, elle se met en espèce de veille. Ce qui fait que bah ça s'éteint en fait. Ça s'éteint. Attends, qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre lance-grenade. Puisque là, on va voir le T-Rex. Mais le T-Rex, il n'a pas plus de vie apparemment. Ah, s'il a plus de vie. Ah si 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 si, il a plus de vie. En fait, il faut au moins en tuer un, ça sera plus simple. Parfait. Dites-vous, regardez quand même la différence entre TR2 et la version remaster. Ça, c'est une salle bonus. Hein. C'était pas présent dans. Enfin, c'était pas une salle où on voit forcément. C'est une salle, c'est la salle du secret. Bon, que tout le monde connaît, mais. Ah, trois grandes trousses et une petite trousse. Ah oui, d'accord, ok, c'est. Oui, c'est quasiment autant de soins que dans ton Raider 1, donc... Ah non, ça peut... En vrai, ça peut aller vite. Allez, qu'est-ce qu'on fait? En plus, j'ai pas sauvegardé comme un con. Je voulais sauvegarder juste... Bah, je vais sauvegarder maintenant, en fait. Si, j'ai sauvegardé. Si, je sais plus. Bon, c'est safe. C'est safe où j'ai sauvegardé. Ne vous inquiétez pas. Ouais, bon. Ok. On va se tirer, c'est pas grave. Je suis pas là pour... Je suis pas là pour me faire bouffer par le T-Rex. On est là pour. En fait, je vais essayer dans les premiers niveaux de ne pas utiliser de trousse de vie. Parce qu'il faut vraiment que j'en économise pour les derniers niveaux. On va récupérer à peu près une trentaine de grandes trousses. Bon, tout ce que j'ai récupéré dans TR1. J'en ai pas forcément eu besoin. Là, je lui dis quand même, trois grandes trousses, une petite. Ah, j'aurais pu rajouter une petite trousse supplémentaire. Parce que je le sens pas du tout. Je ne sens pas du tout ce aspect de ton moyen d'eux. Alors, c'est la première fois que je me barre en laissant au moins un des deux T-Rex. Est-ce qu'on le voit d'ici? Est-ce qu'on peut le coucher de là? Bon, normalement, non, il doit être en train de. Eh oui, il est forcément en train de tomber en bas. Mais c'est trop loin, elle peut pas le viser. En plus, on. Ah, si, on le voit, on le voit. On le voit quand même. Ça, je me souvenais plus qu'elles arrivaient. Elles arrivent en traite comme ça sur le. Quand on s'approche de la tyrolienne, ça c'est vraiment mesquin ça. Il y a deux solutions. Soit je m'occupe des tigres qui n'auraient absolument aucun intérêt, ou soit je cours pour aller à la fin du niveau. Je vais courir à la fin du niveau. Bon, après c'est pas grave, il faut juste pas que je meure, mais. Voilà, on va se tirer directement fin du niveau.
Pardonnez-moi, mais vous vouliez peut-être m'ouvrir la porte. Avec une flingue, un peu gros comme clé, non? Je crois que vous avez perdu votre clé. Après vous. C'est drôle. Vous ne réagissez pas comme une moine. J'imagine que si vous trouvez ça drôle, c'est que ça vous plaît. Parlez-moi un peu de ce fameux poignard d'Oxiane, si vous tenez à la vie. Ces portes attendent l'élu, le moment où il arrivera. Alors, la lame du poignard honorera enfin le cœur de ceux qui ont la foi. Et si vous ne faites pas serment de fidélité, vous aussi? Quel serment de fidélité? Au péché et au destin de Marco Bartoli! Finalement, je vais attendre un peu. Gianni Bartelli, Via Carnavale, Venise. J'ai oublié un objet. Ah bah oui, sur le sol, que je suis con. Forcément. Forcément. Et oui, l'ordinateur est mieux fait aujourd'hui. Allez, parce que là, on propose pas de sauvegarder la fin du niveau. C'est bizarre d'ailleurs. Bon, ceci étant, il y a laissé Voto, donc... Pas laisser Voto, il s'est limité, donc ça n'a aucun intérêt qu'on me le propose. J'aurais aimé quand même. On va rentrer dans la difficulté là. Je vais tout de suite prendre les pistolets automatiques pour l'ennemi qui se trouve là-haut. Faut pas que j'aille trop loin parce qu'il y a l'autre sinon qui va arriver. Parfait. Oui, parce qu'en fait là ils sont deux à venir. Il y a un chien et il y a un mec. Je sais, là je vais sauvegarder comme un gros porc. Oh bah. C'est illimité, hein. Ils n'ont qu'à pas faire ça. Hein. La prochaine fois, ils ne proposeront pas des saves illimités. Hein. Ah non, ça va, c'est un mec avec une batte, on s'en fout. Pas sac à PV. Je sais plus si l'ennemi ici il est aussi fort que ça. Là je m'en souviens plus. Là je me souviens ici c'était horrible. Tout le fond là était en train de faire, c'était hyper moche. Je suis bien content qu'ils aient réglé ça parce que c'était ignoble. Apparemment, ils ont réglé aussi certaines zones, certains effets de lumière. Là, c'est vraiment joli, par contre. Là, ils ont vraiment fait un travail ici. Vraiment sympathique. J'espère qu'ils ont vraiment, vraiment réglé le souci de luminosité. J'ai fini ton Wild avec zéro torche. Ça m'est jamais arrivé. Je n'avais plus de torche pour... Ah, j'ai oublié de... Vous rendez compte, j'ai oublié d'ouvrir la porte. On peut sauter, attendez. J'ai l'impression qu'on pouvait sauter et s'agripper là-bas. J'ai envie de tenter, oui, mais est-ce que je vais le faire? Oui. On va tenter. Ce qu'on entend, c'est le chien. Il y a un chien en haut. Visiblement, j'ai déclenché le... Attendez, c'est bizarre, ça. Attendez, j'ai envie de tester un... Non, mais normalement, je peux pas. Mais... On n'est pas censé pouvoir sauter, là-bas. Non, c'est trop...
C'est bien tenté, mais c'est trop loin. Oh là 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 là, je suis pris d'attaque de chien, j'ai plus de vie. Non, oui, non, d'accord, ok, c'est vraiment le chien qui m'a fait mal comme ça. Dans le terrain, les ennemis, ils faisaient autant de dégâts. Putain, j'ai pas le souvenir que dans le terrain, ils faisaient aussi mal. Même les boulettes des monstres Atlantes. Encore ça passait, mais là. Mais là, le moindre piège et je me fais punir. Ça va être quelque chose. Hein. Ça va vraiment être quelque chose. Bon, là, je pourrais plus parler de Nomads que j'ai déjà fait parce que je l'ai jamais fait avec vous, le Nomads. C'est pas faute d'avoir tenté de l'essayer de le faire, mais j'ai jamais réussi à le faire. C'est trop. Enfin, j'ai jamais trop pris le temps de le faire, donc peut-être qu'avec un peu plus de concentration, j'aurais pu le faire avec vous, mais j'ai jamais trop pris le temps de m'y impliquer. Alors, normalement, il y a un ennemi qui apparaît. Putain, je vais sauvegarder tous les 5 secondes, ça va être horrible. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix? Allez, lui va venir ici. Bon, c'est pas grave, on a pris une balle, c'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, j'aimerais vraiment essayer de sauver des objets de soins sur les premiers niveaux. Ça reste quand même les niveaux que je peux maîtriser en nomades. Donc j'ai vraiment pas envie de gaspiller, quoi. Ah oui, alors ça, c'est un truc qui est marrant. Déjà, on peut pas avancer avec les flèches comme le joystick. Mais de base, il fallait accélérer avec la touche L2 et pas R2. Et ça, c'est pas intuitif. Ça, c'est vraiment pas intuitif du tout. C'est très bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais. Voilà, mais en gros, pour accélérer. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, qu'est-ce qu'elle me fait là? Ah, super. Oh, c'est n'importe quoi là. Je me suis retrouvé téléporté là-haut parce que, bah oui, il y a le bateau. Mais du coup, on va récupérer des objets de soins maintenant, finalement. Parce que dans ce niveau, les secrets sont un peu cheatés. Alors c'est plus simple, regardez, ça se voit pas sur la version remaster, et là ça se voit. Peut-être pas mettre de lumière ici. Et de vraiment plonger la salle dans le noir. Ah non, mais non, du coup, il manque un secret, là. Oui, il manque celui de Jade qui est à la fin du niveau. Ah mais non, on n'y est pas encore, alors. On n'y est pas encore. Mais c'est marrant qu'ils aient fait le choix à l'époque de mettre deux secrets côte à côte. Là, on voyait quand même. Je sais pas pourquoi elle est verte là. La porte, il n'y a pas. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison pour qu'elle soit verte comme ça. C'est l'effet de l'eau, hein, qui la rend comme ça, mais c'est très très moche en tout cas. Ah voilà, on savait qu'il y avait des missions de l'usine. Ah, un double pack d'ailleurs. Alors, on va pas rester au flingue. Là, je reste au flingue parce que c'est des ennemis que je peux me faire au flingue. Mais après, quand je vais devoir y aller sérieusement, je vais prendre le fusil, je vais prendre l'Uzi. Voilà, il faut que j'envoie un peu du pâté là. Il y a un rat là. Mais même les rats, ça me fait peur. Même les rats me font peur dans le jeu. Bon, finalement,
au corps, bah les corps, au corps à corps, les ennemis comme ça sont pas trop dangereux parce qu'en fait il faut qu'ils arment. Ici il n'y a pas de lumière, voilà. Là ils ont rajouté une lumière. C'est marrant qu'il n'y avait rien ici. Ce qui peut rendre la chose un peu plus facile, c'est que voilà, c'est qu'il y ait des, c'est que les ennemis aient le même nombre de points de vie, mais qu'on ait plus de munitions qui traînent dans le niveau. Ça, à la limite, ça peut m'aider. Ok, oh, j'ai eu peur, je pense que je m'étais téléporté dans le bateau. Alors, à combien de vidéos là ? On est à 35 minutes. Ok, donc on a le temps de finir ce niveau et peut-être continuer le prochain. Alors là, par contre, il va falloir être un peu technique. Je vais prendre l'Uzi. J'ai pas pris l'Uzi. C'est intéressant. Bon, c'est pas mal. Ah oui, d'accord, ok. Ensuite, alors attendez, on va aller où ? On va aller ici. Là c'est fermé, on s'en fout. On a cette zone ici. Je vais récupérer le secret, je pense, déjà. Il a... Ah oui, bon. Bah écoutez, encore, c'est pas mal, ça. Je suis à la moitié de la barre de vie. Non, ça va, c'est pas mal. De toute façon, il faut le buter lui, donc. Voilà, je vais pas prendre le risque. On va faire un truc bizarre en bateau. Voilà, on va descendre comme ça. Ah là, c'est deux grandes trous, c'est deux petites trous. Tiens. Ah, c'est pas du tout. Ah, c'est pas fixe du tout. J'ai 3 et 5. Ok, ça dépend du niveau. Ok, donc on peut peut-être avoir un niveau avec que des petites trous ou une seule grande trousse. Bon, ça m'étonnerait parce que ça a l'air d'être un peu généreux quand même. Ok, bon, mais ça, c'est un truc à savoir. Ce sera pas forcément trois grandes trousses. Là, j'aimerais quand même finir du coup ce niveau sans utiliser de soin. Ça serait cool. C'est pas moi qui décide, hein. Mais ce serait vraiment sympa que j'ai aussi ça. Alors, on va repartir à la base que là, j'ai rien à faire ici pour l'instant. Il faut aller récupérer les clés. Aïe, aïe, aïe. Je suis aussi spécial quand même. La maniabilité. Alors là, il y a lui qui se trouve là-bas. Alors, regardez, je vais montrer un truc. Bien fait, hein, tout ça. On peut pas vraiment le voir dans Tomb Raider 2, je crois qu'on peut pas vraiment le voir le fait que les ennemis apparaissent comme ça. Qu'est-ce qu'ils font ?
Non, il est pas mort encore. Voilà. Il faut vraiment se le faire comme ça. C'est une bonne stratégie, ça, de se le faire au M16. Attends, bon, je vais dire, pourquoi je me le fais jamais au M16? C'est parce que je l'ai pas. Je suis pas censé l'avoir. Bon, ça doit jouer, ça. Et vu qu'il est extrêmement dangereux... Aïe, 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 je perds des vies. Je vais perdre la vie pour rien, là. Bon, ça va encore, c'est jouable. C'est jouable. Je perds la vie, mais... Ça va encore, ça va, c'est pas très grave. Alors là, on va ouvrir une porte. C'est laquelle? Ah oui, on commence à ouvrir les grilles sur le côté. De toute façon, on a récupéré une clé, c'est ça, hein? Ah non, j'ai pas récupéré de clé encore. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, allez, je fais une save ici et on va avancer un peu. Ouais, mais des ennemis, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus. Hein, un peu plus violents que d'autres. Putain, mais c'est bizarre ça, il n'y a pas une clé à récupérer ici? Cette connerie là. Là ici, on y va que pour ça. Je suis un peu étonné. Ok, mais écoutez, tant mieux. Ça me donne un peu quand même, mais... Il n'y a pas eu de clé à récupérer. Elle a sauté trop tôt, j'ai pas réussi à sauter. Non, il n'y a pas de clé. Hein. Non, il n'y a pas de clé ici. Bon. Et bien, on va essayer de... De pas crever là-bas, ça serait bien. Là, il n'y avait rien au bout, hein, de toute façon. Est-ce que je peux sauter dans le bateau directement? Et non. Là, on est bon. Est-ce que lui, il a quelque chose sur lui? Ils ont toujours quelque chose sur eux, les ennemis, de toute façon. Ah, ben c'est des munitions de... Ah, ben c'est des... Ouais, des munitions de M16. Donc, on ouvre la grille qui se trouvait là-bas. Maintenant, il faut aller certainement là-bas, hein, en fait. Hein. Oui, là, on est de l'autre côté du... on est de l'autre côté du secret, en fait. Attendez, c'est n'importe quoi là. Là, c'est n'importe quoi. On va pas faire ça. On va prendre les pistolets automatiques. Oh, aïe, 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 attendez. Voilà, attention. On prend les pistolets automatiques. On détruit ça même si c'est absolument rien, mais c'est pas grave. Où est le bateau?
Il loue... Ah non, il est au fond. Putain, je cours. J'ai eu peur là. Il loue le bateau. Non, c'est bon. Ah voilà, c'est lui qui a la clé. Ah non, pas du tout, c'est une mission de fusil, ça. N'importe quoi. Alors attendez, ce qu'on va faire. Là-haut. Alors c'est pas ici. Je confonds. Je confonds avec une autre zone. Alors qu'est-ce que ça ouvre ça? Voilà, c'est ça confond. Voilà, c'est ça. C'est la scène avec. C'est ça. C'est ce que je pensais. Donc on va. On prendra le. Ah on a réussi, tiens. On prendra le lance-grenade. Parce que là-haut, il y a des trucs pas commodes. Là, c'est toujours fermé, on s'en fout. Mince. Dommage. Alors, les ennemis, ils sont... Voilà. Là, c'est la clé qu'on cherche. La clé pour la serrure. Où j'ai allumé le gars avec le... Avec le... Avec le M16. Par contre... Je vais prendre lance-grenade. Parce que je pense que si je veux réussir... ans pour tirer quand même, c'est dur hein. C'est vraiment dur. Alors, il y a un ennemi en plus qui est apparu en bas, donc soit je descends par l'échelle et je le tue, et en fait il faudrait que je descende par l'échelle, il faudrait que je redescende par là. Est-ce qu'on soigne ou pas? Alors, c'est le dernier ennemi du niveau, j'ai pas envie de l'avant-dernier plutôt je crois. Ah putain, c'est refermé ça. Eh ben, vous savez quoi? C'est bon, les vis à tomber. J'étais même pas au courant que ça se passait comme ça, tiens. Je pensais que... Attends, et si on fait ça alors? Est-ce que la porte s'ouvre en bas? Ah ok, donc on est vraiment bloqué en fait. D'accord, on est bloqué. Attendez, je vais essayer un truc. Ok. Je vais tenter. Je tente un truc qui sort de la voie. Là, ça a marché en fait, hein, ce que j'ai fait là. Merde. Je vais trop. Dommage. Je vais voir si. Eh oui, mais là, bien sûr qu'il va mettre une balle, bien sûr. Ah, c'est dommage. Je vais peut-être devoir me soigner. Le problème, c'est que si je me soigne... Enfin, si je l'affronte comme ça, ça va être... Je vais pas me le faire... Eh non, je vais pas me le faire au harpon, ça n'a pas de sens. Il faut pas que je tombe dans l'eau, en fait, simplement. Mais on va essayer ici, il sera plus simple. Parce qu'à force de faire machin, tout ça, c'est... Voilà. Ok, nickel. Et là, maintenant, on peut se le faire d'ici. Oh, oh là 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 là. Mais c'est bon, on y est. On a trouvé une technique. Je sais pas si... Je suis peut-être le seul à faire ce machin-là, mais... Avec on peut le faire. Oui, non, mais
là, oui, mais non, en fait, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là du tout. Le système pour prendre les armes, le système de choix rapide, c'est vraiment une merde. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Ça marche jamais. Oh, la papisée. Oh, aïe, aïe, aïe. Il faut que je le fasse exploser en fait. Bon bah écoutez, je pense que je vais prendre je vais prendre une trousse de vie, hein, qu'est-ce que je fasse. Ah, ça, manifestement ça marche pas. Hein. Trop vif ce con. Moi, je suis meilleur que lui. Parfait, parfait, parfait tout ça. Et en plus il me laisse rien. Il gouja. Bon, avec un peu de chance, il n'y a plus d'ennemis. Je crois qu'il reste encore un ennemi en fait. Hein. Derrière la porte que l'on va fermer, que l'on va ouvrir, je crois qu'il y a un ennemi derrière. On va voir. On va voir comment ça se passe. Mais je crois que là il y a un ennemi qui revient. Mais bon, encore s'il y a un ennemi ici. Ce sera pas grave parce que je vais peut-être pouvoir me le faire un peu plus facilement que lui qui était là. Non mais là c'est sûr qu'il y a un ennemi ici. Voilà, attendez, il se passe des trucs. Il se passe des trucs là. Ma manette elle est en train de partir en vrille. Et ouais, manette de PS5 et un console à 600 balles pour avoir un joystick qui marche pas. Formidable. Ça va, c'est bon, c'était facile. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, on ouvre tout simplement la deuxième grille. Parce que c'est timé cette histoire, souvenez-vous. Il faut qu'on aille avec le bateau de l'autre côté. Alors, on va y aller. On va faire cette épreuve timée. Donc, on revient. Là, là-bas, le passage de gauche. Et j'espère que je vais pas mourir en bateau. Parce qu'on perd de la vie si on tape des coins. Bon, non, il n'y a pas d'ennemis qui revient ici, hein, ça c'est sûr. Je n'ai pas que la musique elle doit recommencer en boucle sur 22 minutes. Hein. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de vous 22 minutes? Faut surtout pas que je me prenne un mur ici. Là par exemple, non mais c'est bon, on a réussi. Et j'ai oublié d'objet. C'est étonnant ça tient. Qu'est-ce que j'ai pu oublier comme objet? Je réfléchis. Certainement sur le corps d'un ennemi, hein. J'ai dû oublier un truc. Étonnant.
Bon, en tout cas, on a réussi ce niveau. Hein, c'était... C'était spécial, mais on a réussi ce niveau, hein. On va... Oui, on va prendre le pistolet. On va se faire les rats qui sont ici, déjà. Et nous voilà devant la porte, tout simplement. Devant la porte de la cage de Bartoli. Bon, et bien écoutez, c'était une première vidéo intéressante. Je m'attendais pas à faire deux niveaux seulement en 55 minutes, mais il faut croire que le game plus va être extrêmement violent. je sais pas combien de temps ça va prendre tout ça. Bon, attention, il y avait deux niveaux et une vidéo, donc je suis largement au-dessus de ce que je faisais dans les niveaux sous, hein, donc on va pas se plaindre. En tout cas, ça m'a demandé quand même beaucoup plus d'efforts que Tomb Raider. Dès les premiers niveaux, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ça va être très 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 tendu. Il faut surtout pas que j'oublie de secret en fait. Je vais devoir tout me... Ouais, je vais devoir faire tous les niveaux pour le coup pareil à 100% pour les secrets. Après dans Terra, à la fin, c'était trop dangereux pour récupérer les secrets et ça me servait plus à rien. Mais là, il va falloir que j'engrange le plus possible d'objets de soins et sans utiliser, enfin, sans essayer de pas trop m'utiliser dans les premiers niveaux. Et encore les niveaux du bateau, encore je pense que je peux me débrouiller pour pas en utiliser. Mais les niveaux après enfin, le dernier niveau là de la Chine, enfin tout le niveau après chinois, les trois niveaux et le niveau du Tibet, ça va être tendu quand même. Ça va être très très tendu. Bref, mettez des j'aime et des commentaires, partagez si vous avez aimé, et c'est à la prochaine pour la suite de ce Let's Play. Allez, ciao tout le monde.